Si tu veux connaître comment créer un compte Nintendo Switch et que tu ne connais pas encore comment faire, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Et à la fin, tu sauras comment faire. Tout d'abord, pour créer un compte Nintendo Switch, il faut d'abord faire ceci. Je vais par exemple faire ça. Il y a plusieurs choix. Donc, vous allez partir sur Paramètres. Partez dans Utilisateur. Vous partez jusqu'à ajouter un utilisateur et vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez appuyer sur créer un nouvel utilisateur. Donc, je clique dessus et voici ce que vous allez faire. Donc, vous allez sélectionner, bon, par exemple, je vais faire quoi? Je vais sélectionner par exemple celui-là. Mais vous pouvez aussi créer des icônes. Donc, simplement, vous allez faire ça. Ensuite, vous allez maintenant entrer le nom. Par exemple, je vais l'appeler Switch TV. Switch. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, je n'ai pas. Sans faire exprès, j'ai cliqué au mauvais endroit. Ok, donc maintenant je vais l'appeler Switch TV. Ah, excusez-moi, j'ai mal écrit. Bon, je vais regarder ça un peu plus tard. Je vais l'appeler JC. Voilà. Et je clique sur OK. Ensuite, le nom me demande ici se connecter et associer. Je vais juste se connecter et associer. Ensuite, on me demande maintenant plusieurs. Plusieurs intros, donc je vais cliquer sur le premier. Voilà, c'est si vous avez déjà créé un compte sur vos téléphones et que vous voulez maintenant vous connecter. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Je vous montre comment se créer. Donc, vous allez cliquer sur créer un compte et ensuite vous allez appuyer sur envoyer les instructions par email et ensuite maintenant. Mettez juste l'email, donc attendez, je mets vite l'email. Après, on se retrouve. Ah, me revoilà. Quand vous aurez donc fini de mettre votre email et quand vous aurez maintenant appuyé sur OK, ceci va apparaître. Quand ça va apparaître, appuyez sur OK. Et ensuite, excusez-moi, c'est juste que j'ai une petite grippe là. Donc, vous allez faire comment? Vous allez attendre que l'email puisse arriver dans votre téléphone. Quand ça va arriver dans votre téléphone, vous allez suivre les instructions que Nintendo a envoyé dans votre téléphone. Donc, on se retrouve sur le téléphone. Et nous voilà sur le téléphone. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez juste suivre les instructions. Donc, voici les instructions. Je vais cliquer ici là, sur le premier lien. Et ensuite, j'attends. J'attends que ça s'affiche. Attendez, ah voilà. Donc maintenant on a ceci, ceci qui s'affiche. Bon, moi c'est parce que j'ai déjà créé un compte, donc voilà pourquoi ça s'affiche. Mais en plus, vous allez appuyer sur créer un compte, un nouveau compte. Donc me revoilà. Bon, excusez-moi, c'est juste un petit truc, un contretemps en fait. Et donc vous allez appuyer sur. Là, je suis sur créer un compte, donc je vais entrer la date de naissance, tout. Je rentre la date de naissance, je vais mettre au hasard 2002. Bon, je l'utilise pour enfants, donc je mets par exemple 2008, 5e mois, et
Le jour, par exemple, 11. Et après, vous appuyez sur OK. Et ensuite, voilà, maintenant, on vous demande ici de faire ceci, en fait. Donc, de compléter ces cases, en fait. Donc, je vais juste faire ça. Vous allez mettre le nom, d'abord le surnom, n'importe quel surnom, en fait. Donc, je vais mettre le surnom. TV. Ensuite, maintenant, je vais mettre le TV. TV. 0. Toujours pareil. Ah, ok, c'est bon. Donc maintenant, je mets le mot de passe. Bon, je vais pas montrer le mot de passe, mais c'est juste comme ça. Donc, je vais mettre switch 1738. Après, je mets le nom. Le mot de passe, soit ça, je vais mettre switch 547. Switch voilà, donc on continue et ensuite on sélectionne maintenant masculin et ça c'est quoi? Ah, excusez-moi. Ah, voilà, c'est bon. Je continue. Et maintenant, vous allez cliquer juste sur créer un compte. Donc, moi, je vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte. Donc, ça me sert plus à rien. Donc, c'était ça en fait. Et quand vous allez appuyer sur créer un compte, ça, vous allez créer le compte. Et ensuite, vous pourrez maintenant tranquillement naviguer sur votre plateforme Nintendo. Et bon, ensuite maintenant, quand vous aurez fini de créer le compte, ça vous envoie maintenant un code à 5 chiffres. Donc c'est ce code-là que vous devrez entrer sur votre Nintendo Switch. Donc on se retrouve maintenant sur la Switch.